choisir la vie. Ou, se mettre du côté de Dieu. En fait, c'est ça mon titre. Mon titre, c'est pas choisir la vie. Mon titre, c'est se mettre du côté de Dieu. C'est-à-dire se mettre du bon côté. Range-toi du côté de Dieu. Avant que Dieu ne t'a pas pris, il ne t'a pas dit de toi. Se mettre du côté de Dieu, du bon côté. Hein? Alors, c'est pourquoi même mes deux titres, choisir la vie ou se mettre du côté de Dieu. Afin que dans un moment décisif, Dieu est capable de prendre le temps. Alléluia. C'est le message pour vous. Alléluia. On ne va pas rentrer dans les détails, hein, on dit ça plusieurs fois. Ça se répète. Que Dieu permet de penser du même côté et de voir l'autre. Et quand on suit ça, la ligne de conduite, la pas persister à bon Dieu. Alléluia. Si vous avez même dit que ça aujourd'hui, on ne va pas te connaître. Amen. Il y a autre chose en tête. Et nous constatons que c'est la vie divine de Dieu. Et disons que vous pensez à quelque chose, en direction de Dieu. Alléluia. Et ça suffit. Hein? Moi, je mets aujourd'hui. Il y a un moment de prière tous les samedis soir. J'ai été invité à venir, même qui est content. Edmond nous prépare le culte du dimanche matin. Et là, beaucoup de monde, peut-être 10. Tu as entendu monter d'une 15, 20 ou 30 à 10 heures. Et là, avant d'aller, on devait être quelque chose. Aujourd'hui, c'est un jour de visite, mon fils de salon. Hein? C'est un jour. Moi, c'est un fils de moi. Alléluia. Je me aujourd'hui devant toi. Et en tant que chacun de nous, hein? Pas par l'église, toi, un tel, une telle, une telle. Et il dit aussi, bien sûr, en même temps. Je me devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Quand je te prescris aujourd'hui, aujourd'hui, 5 octobre 2014, permet l'Éternel ton Dieu de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives, afin que tu vives, afin que tu vives, et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse. Donc, bénis-nous, mon Dieu. Dans le pays dont tu vas entrer en possession, continue. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez. Comment un Dieu bon et miséricordieux capable de périr, et pourtant cela? Que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous avez entré en possession après avoir passé ce jour-là. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Les deux, hein? Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Dieu est bon. Dieu est miséricordieux. Dieu est lent à la colère. Dieu est riche en bonté. Dieu pardonne. Le Seigneur qui nous sape la vie d'un démon, qui nous avait connu dans l'évangile, qui tue là, près de la mort, papa Dieu. Si Jésus passait à intervenir, c'était la mort. Cependant, il y a aussi la sainteté de Dieu. Pas seulement que sa bonté, son amour, il y a la sainteté. Il y a quelque chose qui s'appelle la wrath of God, la colère de Dieu. Et moi, me presse l'amour de Dieu, nous pas presse la loi, nous nous presse la grâce, la miséricorde, le pardon. Mais mon devoir de ça, beaucoup de fois ici, et mon porte tout moi, là, parce que nous avons une invitation, pour la faire dans certains endroits de Maurice, mon tourner, la côte, la côte, là, ouvert, mon entrée. Mon pense pareil, c'est-à-dire que Dieu est bon, mais il y a la sainteté de Dieu, il y a la colère de Dieu.
L'enfer existe. Il ne faut pas qu'il nous présente un évangile, comment dire, un Jésus bon, terrible, et puis tu peux faire tout ce que tu veux. Ce n'est pas vrai, frère. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas l'évangile, ça. Et laisse-moi continuer. Seulement Dieu est bon, il est lent à la colère, il est riche en bonté, il pardonne, hein, il pardonne, il attend. Hein. Il n'est pas précipité à la colère, comme je disais, je connais pas la chose de tenir, je n'ai pas neuf. Mais toujours est-il qu'il dit à proposer directement le ciel et la terre, je mets devant toi la vie et la mort. Donc la mort aussi là. Dieu est un Dieu de vie, Dieu pardonne, Dieu est bon, mais pas, le contraire. Mais trop appuyer là et négliger cette bonté, cette sévérité, nous sommes capables de balancer dans la vie. Nous sommes capables de manquer ce qu'il a dit, la peur, la crainte de Dieu, le fear of the Lord. Et le fear of the Lord, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Et cette sagesse-là, sa crainte de Dieu, ça reste pour Dieu, lui dit, quand nous considère la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Changez la vie. En ce qui nous concerne, Jésus dit à nous, bénissez, ne maudissez pas, bénissez, ne maudissez, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui maltraitent Dieu, si quelqu'un ne fera pas la vie droite, donne-lui le place là. Ça, c'est ce que nous devons faire. En faisant ainsi, tu amasses des sables en dedans, c'est sa tête, ce qui n'est pas bien pour toi. Pardon? Et. Là, il dit la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité pour aimer l'éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. C'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'éternel a juré donner à ton père Abraham, Isaac et Jacob. On continue. C'est tout, hein? Voilà. Nous avons le temps, nous n'avons pas dit le temps, mais nous avons le temps. Alléluia. Gloire à Jésus. Il commence avant la création. Dans le ciel. Dieu crée le ciel, tu vois bien. Il y a des passages, nous pouvons lire. Il y a des passages qui nous peuvent faire allusion, nous pouvons citer sans lui aller. Parce que si nous lisons tous les passages, il est fatiguant et pour vous êtes étonnant, il n'est pas fatiguant de voir la Bible, mais je comprends parce que même de le dire, il veut nous donner des bandes et c'est tout. Qui sont liés, les autres nous la citer. Donc, il y a un commencement avant le commencement de la terre. Dieu fait le feu de la terre et puis Dieu qui met en ordre, Dieu crée l'univers. L'univers qui est bien, bien grand. Seul Dieu est infini. Hein? L'univers n'est pas infini, mais il est très très grand, il est boundless. Vous voyez? Il n'est pas bounded, il est boundary là-bas. Il expande. C'est la fin de l'univers. La fin de l'univers, il peut expandre. Jusqu'à quand il peut expandre, il va garder où? Mais on veut que ça. Pareil que la plume commençait tout de suite. Vous voyez? Et ça nous dit, un même univers très très grand. Bon, Dieu nous fait tout ça là pour englober la terre au milieu là-bas. Après notre Adam et Ève dans le jardin de Dieu. Mais avant ça, c'est le ciel. Dieu crée les cieux de la terre. Et dans le ciel, c'est même la vie qui peut dérouler. Avant que Adam n'ait pas né. Parce qu'on est causé, ça. Parce qu'il n'est, il est créé. Hein? Elle a dit, c'est non, parce qu'il y a une chose qui est potente. Le premier homme qui produit notre humain, c'est Adam même. Attention, madame. Hein? Qui Adam crée et qui Ève crée. Le ciel, c'est le ciel. Et dans le ciel, c'est là. L'éternel, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la Sainte Trinité, ne pas être dans sa mystère-là. Et Dieu se manifeste dans sa parole, même aux paroles en la voix. Et dans l'idée, dans le pensée, Dieu se parle, c'est pas une scène, la voix dans l'idée, c'est une personne qui sort de lui. C'est sa personne qui se manifeste. Pas de l'amplifier ça, même des esprits, ça, à moi, dans ma compréhension. Ainsi, et puis le même esprit qui est dans le Père, le même esprit qui est dans le Fils, c'est le Saint-Esprit qui est dans le Père et du Fils. Et Dieu, par son Fils, il faisait déjà créer des myriades d'anges. Pas comme à nous. Papa, maman, j'entends, mais grandi,
Les petits épines à plus de marier, les enfants nés grandissent. Non. Le nombre des humains grandit. Le nombre des anges ne grandit pas. Les
I'm going to go to the hospital.
I'm
Romains chapitre 63, verset 10. Verset 10, mais avant de lire ce livre, pourquoi prendre verset 10? Dans toute la détresse, il n'y a pas de passé par le verset de Dieu, c'est comme il a dit. Il a ce qu'il a sa face. Il a fait qu'il a été dans le corps de ce Dieu. Il a pensé à ce qu'il a dit ce Dieu. Il s'est convaincu ce Dieu. Il a fait lui-même le côté de Dieu ce Dieu. Dans ce qu'il a dit le Dieu de l'amour, c'est Saphira, c'est chapitre 5, ça même c'est chapitre 5, là, c'est un fameux chapitre. Quel verset? Voilà.
verset 3. Alors, verset 3. Thank you.
Je ne sais pas qui m'a retiré, pas fait d'autres mots, mais pas de la situation. Mais
pour renverser les forteresses. Nous renversons le raisonnement de toutes les qui se lèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Pourquoi pas dire? Écoute-moi bien. La cause de tes bonnes, tu es combattu avec des hommes j'en ai l'air de la voix au tableau. Je répète. Parfois la cause n'est pas bonne. Pardon? La cause n'est pas bonne. Mais quand on est dans un détail, la cause n'est pas bonne là-bas. La cause est bonne. Le temps explique-moi, il m'a trouvé et m'a enlevé la justice qui peut faire là. Il peut combattre l'injustice. Donc, si vous combattez l'injustice, vous pouvez faire des combats. Vous pouvez combattre qui? Pas de combat. Donc, la cause est bonne. Vous avez besoin de vous aider. Vous avez besoin de vous aider. Thank you.